Yo. Et bonjour à tous. Pardon. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, enfin un nouveau live, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire du Immortal Phoenix Rising. Donc je vous rassure, normalement, mais bon, je vous rassure tout de suite. Je dis ça entre guillemets, mais normalement, ce sera plus smooth, plus facile, enfin pas plus facile, mais plus tranquille que pour les lives de Sekiro. Bien que Sekiro, au bout d'un moment, c'était. Voilà. Bah on va se lancer tout de suite. Ah, alors, choisissez une difficulté. Histoire facile, normale, difficile, cauchemar. Bon, d'habitude je joue dans les jeux en mode normal, même si donc qu'est-ce qu'ils disent? Vous apprécierez autant le récit que les défis, c'est le degré de difficulté pour lequel le jeu a été conçu. Difficulté des ennemis par défaut. Régénère de santé, fragment actuel seulement. Régénération d'énergie par défaut, dégâts de chute, chute en vol plané, aide en défi mythique, chronométré par défaut. Très faible, régénération complète, ouais, ça c'est le truc. Non, on va prendre ça. On va prendre ça, hein. C'est quoi, cinématique? Chargement? Chargement, d'accord. La sublime Hera, divine mère, la très sage Athéna, le puissant Poséidon qui fait trembler le sol, la fervente Artémis dont on dit la visée si juste qu'elle peut transpercer le cœur d'un colibri. Des cochons fardés, tous, je te vois là-bas. Approche, je t'attends. Une victime, comme tous les mortels, nés dans ce fol atelier à ossements, vous n'êtes que des reflets tronqués d'un miroir brisé. Admire tes dieux. Celle-ci a tué 6 enfants innocents pour assouvir sa rage. Ils se querellent, sont rongés par l'envie, trompent, combattent et assassinent. Ils sont cruels, vindicatifs et égoïstes. Et, à l'instar du talon d'Achille, leur méprisable faiblesse les perdront. Je n'ai pas leurs défauts. Les autres sont tombés. Il n'en reste plus qu'un pour m'empêcher de rénover l'Olympe. Le plus perfide, le plus arrogant, borné. Celui qui m'a enfermé sous terre, le seul et unique Zeus! Ah, comme tu m'as manqué, Prométhée, mon cousin préféré. Tu m'as enchaîné à ce rocher et laissé un aigle me dévorer le foie. Mais c'est par amour! Oui. Tu as besoin de moi. Typhon est libre. Tu as jadis combattu aux côtés de ses alliés, les Titans. Persuade-le d'abandonner. Ce n'est pas si simple. Il entrave ma capacité à voir l'avenir. Je ne perçois rien par-delà sa seule présence. Vas-y.
toi. Impossible! Il a pris mes éclairs. Il m'a tout pris. Même les autres dieux ont disparu. Tourne-toi vers les mortels. C'est fait! Ces parasites maléfiques, insipides, benés, ils ont tous été pétrifiés. L'un de ces parasites maléfiques sauvera ta royale carcasse. Ma carcasse, elle est à l'abri et elle n'a rien à craindre, t'inquiète. Et les humains ne seront jamais que des erreurs pitoyables. Es-tu prêt à en faire le pari? Si je gagne, ma faute d'avoir volé le feu et assuré leur survie deviendra alors une bénédiction. Tu trouves que ton châtiment est injuste? Disons un peu excessif. Alors, marché conclu? Si tu l'emportes, j'y mettrai fin et je te libérerai. Mais si je gagne, tu m'aideras à triompher de Typhon, quel qu'en soit le prix. Très bien. Puisse le récit de Phénix être ma rédemption. Oh non! Pas une de tes histoires! Combien de temps ça va? Mon récit débute en mer. Un navire chargé de soldats revient d'une campagne lointaine. Mais il est victime d'une tempête imprévue. La mer est démontée. Ils sont fauchés par les vagues. La ligne séparant le ciel de la mer s'est évanouie. Le sommet des vagues surplombe des vallées abyssales, aussi profondes que le Tartare lui-même. Dis donc, t'es fortiche pour les descriptions. C'est tout un art. Quoi qu'il en soit, le navire était perdu. À l'aube, le soleil se leva sur les quelques rescapés. L'âme la plus humble, dont la tâche était de porter le bouclier, rêvait de bataille, mais n'avait jamais connu le tumulte Attends, de la guerre. Attends, ne me dis pas que... Bon, on va choisir un corps. Un beau corps de rêve. Ouais, on va mettre un garçon. Je suis un garçon, je vais mettre un garçon. La couleur du yaourt, super. On va te mettre comme ça. Un visage comme... Un visage, tu sais, que je un vois visage. En rêve. Oh. Un oiseau à l'œil perçant. C'est quoi la différence entre ces deux-là? C'est moi ou il n'y a aucune différence? Bref. Couleur, pamplemousse pas mûre. Des yeux de la couleur de champignons frais. Des cheveux comme... C'est quoi ces cheveux? Non, on va mettre celle-là. On va mettre cette coupe de cheveux-là. Couleur de baiser glacé. Non, on va le mettre normal.
des sourcils. Bon, les sourcils, on s'en fout en fait, les sourcils. Avec une barbe. Ah, y a... Non, les barbes sont mal faites. Je voulais mettre une sorte de barbe de 3 jours, mais bon, on va le mettre sans barbe. La tempête! Me réveiller! Il faut que je me réveille! La tempête! Me réveiller! Bah non. La tempête! Me réveiller! Il faut que je me réveille! Voilà. Là, je le vois comme en plein jour. Pardon. Le plus humble d'entre eux était un porteur de boucliers, rêvant de bataille, mais ignorant le tumulte de la guerre. Un être de conte plutôt que d'action. Phénix. C'est quoi ce nom Phénix? Phénix, d'où ça sort? On dirait le bruit que ferait un oiseau qui s'enflamme tout seul. Ce qui est un concept un peu ridicule, hein, pour ne pas dire pire. Je vais quand même noter ça quelque part. C'est ainsi que Phénix s'éveilla sur une grève inconnue. Loki à gauche! Capitaine! Quelqu'un m'entend? Le seul moyen de quitter cette plage est de gravir cette falaise. Regarde vite fait à droite à gauche. Oh non, y a rien. Je sais pas quand, comment on peut voir s'il y a, y a des choses. S'il y a des surbrillances, des... Ah d'accord. Ah oui, il y a un mec là. Pétrifié, d'accord. C'est quoi ça là-bas? La curiosité n'a pas de prix. Hein. Phénix vit au loin son capitaine et ses frères d'armes. La lumière lui joue en détour. Il aurait juré qu'il l'appelait par de grands gestes. Phénix, encore toi. Tu n'es peut-être pas ton frère Liguiron, mais je ferai quelque chose de toi. Tiens bien mon bouclier, et ne le lâche pas cette fois. Je ne t'ai pas vu là-bas. Ne fais pas attention à eux. Ils sont jaloux, c'est tout. Faut pas leur en vouloir, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un frère comme le tien. Lokagos! Lokagos, tu m'entends? Tu es tout froid. Quelle peut être cette magie? Liguiron, où es-tu mon frère? Perdu et désarmé, Phénix était vulnérable. Je dois garder mon calme et appliquer ce que j'ai appris. L'épée de mon frère. Non! Liguiron! Mon frère! Ah mais il est mort.
as toujours été mon héros. Mon étoile polaire. Je te ramènerai. Je le jure. Si tu regardes bien, je crois qu'il a les bras et les jambes cassées. Phénix n'avait jamais eu le droit de tenir l'épée sacrée, ce cadeau d'Achille. Elle lui parut parfaitement équilibrée, comme si on l'avait façonnée pour lui. Une épée offerte par Achille? Son frère devait être doué pour le combat. Pourquoi dis-tu cela comme ça? Parce qu'à moi, il m'a jamais donné d'épée. C'est tout. Phénix leva les yeux, et il n'était pas ça. Par les dieux! Reculez! Il brandit son épée pour sa première bataille. Phénix sentit l'entraînement lui revenir à l'esprit. Ça va, c'est assez de là-haut, c'est je pas trop compliqué, assez dynamique. C'est la plus grande statue d'Hermès que j'ai jamais vue. Je me demande qui a pu l'ériger. Cerné par les défis, absolument seul. Le jeune héros était résolu à sauver ses compagnons et son frère. Oh, c'est lourd! Allez, la suite! Non, c'est important. Cela établit une atmosphère. Hermès, mon vieil ami, c'est un honneur de te rencontrer, enfin. Mais ne répète à personne que je t'ai parlé. Chez moi, on me reproche déjà de mémoriser les récits plutôt que de travailler la terre, alors. Et les autres soldats, eh ben, ils sont vraiment pas du genre à apprécier les belles histoires. C'est dire que ceci. Ambroisie. Tu sais, d'accord. Ça a l'odeur à la fois du miel, du premier jour de printemps et de mon premier baiser. Phénix se met en plus à l'ambroisie. Prométhée. Tu as peur de perdre ce pari, Zeus? Oh, il ne peut rien en faire de toute manière, pour l'instant. La destinée de Phénix devint alors plus claire. Bon, jusqu'ici, tu ne me montres qu'un mortel après un seul combat. Et je te signale gentiment pour l'instant que Typhon devient de plus en plus fort. Ne te moque pas de moi, Prométhée. Je te jure que ce guerrier sera l'instrument de notre salut. Car s'il échoue, et si Typhon nous bat, le monde sombrera dans le chaos. Zeus, roi des dieux. Un temple d'Apollon. Si j'y trouve un oracle, il pourra m'aider à déjouer cette malédiction. Un griffon? Mais il n'existe pas! Lâche-moi! Allez! Hé! Je vais te sauver! J'arrive! Il faut que je trouve le moyen d'atteindre cette faille. Crypte du Tartare.
D'accord, on peut révéler des trucs. Désolé, hein, je fais ça vite fait. Histoire de... Histoire de d'avoir des trucs au début. Bon, voilà. D'accord, donc ça marche comme ça. Ah. Excusez-moi 30 secondes. Voilà. De nouveau avec vous. Alors fermé. Ah. Fermé B. Comment descendre? L'étang. Pardon, excusez-moi. Sauter dans l'étang. D'accord. À chacun de ses pas, Phénix sentait la lame de Lydiron. Sa masse lui rappelant le poids des responsabilités. Tu lui as offert ton épée? Oh, Achille! Je voulais te demander, pourquoi quelqu'un recevrait-il une épée de la part d'Achille? En cadeau. Une offrande normale de la part de quelqu'un qui vous regarde dans les yeux, qui vous considère hein, et qui vous porte de l'affection. C'est tout. J'avais laissé une rose sur son plastron. Excuse, j'ai une poussière dans l'œil. Vas-y, roule. Alors, bon, on continue. Hein. Alors, qu'avons-nous là? Contrairement à la chair humaine, laquelle s'était vue transformée en marbre, celle des grenades s'épanouissait hardiment, gorgée de vie. Je trouve ça bien poétique pour quelque chose qu'on se colle dans la bouche. C'est un peu le but des meilleures poésies, non? Par contre, il... Des grenades. Ok. Par contre, il court pas, le gamin? Bon, j'aurai le temps de visiter plus tard. Non, c'est pas... C'est par là-bas. Mais qui vous a fait ça? Bon, Prométhée, ça suffit, les scènes de Chouine avec les mortels. Un peu d'action. Entendu. Ah bah voilà! Là, c'est mieux.
laissé par les sbires de Typhon, fut attiré vers Phénix. Ce métal des dieux souhaitait être forgé en quelque chose de plus noble. D'accord, donc j'ai la parade maintenant. Bon, on va descendre là. Ok. Ok, ok, je vois à peu près comment ça marche. Qu'est-ce à dire que ceci? Waouh, de l'ambroisie. Cool. Cool, 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 cool. Alors... Je suppose que ça c'est pour se remettre de la vie. Eh oh! Tu m'entends là-dedans? J'arrive! J'ai trouvé ta hache! Phénix s'approcha de la hache, ayant senti qu'elle l'appelait. On dirait la hache d'Atalante. Ce doit être une copie. Quoique... Mais avant que Phénix ait pu la saisir, la hache fut attirée dans le trou par une force terrible. Qui frappe à ma porte? Personne. Tu crois que je vais me laisser avoir par ce vieux tour? Je ne suis pas né de la dernière pluie, je connais. Entre chez moi, dit le cyclope au marin. Eh ben voilà, c'est terminé pour Phénix. Formidable, hein, comme histoire. Bon, il y a 2-3 longueurs, on va pas se mentir, hein. Mais je m'attendais pas à cette fin. Donc, voilà. Il est temps que tu me donnes un coup de main face à Typhon. Wow, mais l'histoire n'est pas finie. Loin de là. Alors, passage dans l'abîme, ok, 1 sur 3. Quel était ce lieu étrange? Le Tartare. Mais où exactement était arrivé Phénix? Le Tartare, le gouffre pourri où j'ai enfermé Typhon. Il a dû ouvrir des failles vers les cryptes des enfers quand il s'est échappé. Je le sais, tu le sais. Alors autant le dire. Phénix était dans le... Voilà. Je te hais. Tu n'aimes pas le suspense? Non. Allez, continue. Tu es très courageux ou très stupide, petit. Voyons si tu peux triompher de mon défi. Ou si tu finiras comme tous les autres. Qui es-tu? Eh oh!
j'attends le retour. Qu'est-ce que c'est? Des ailes? En les caressant de la main, Phénix remarqua qu'il manquait des morceaux. Comme si quelqu'un les avait arrachés. Ce ne sont pas des ailes naturelles. Je me demande comment elles fonctionnent. Si elles fonctionnent. Donc, nouvelles ailes. Oh, voilà, double elle saut. Elles marchent vraiment? Enfin, presque. La hache d'Atalante, la meilleure chasseresse, la plus rapide des héroïnes, vaincue par Typhon. Je l'avais pas transformé en lionne. Tu as transformé beaucoup de gens en beaucoup de choses. Faut vraiment que j'arrête de picoler. Et cette fois, tu péris, Lotil. D'accord, il faut, ouais, faut jongler entre la hache et l'épée, d'accord. Mais c'est l'un de mes éclairs. Dispersé, dissimulé par Typhon. C'est fini, un tas de cendres, le petit Phénix. Il n'y a que moi pour résister aux éclairs. Ah, vraiment? De la foudre de Zeus? Je le crois pas. Le pouvoir envahit Phénix. L'intensité était incommensurable. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? Adieu, mortel. Mais d'un seul coup, tout s'arrêta. Non! Les ailes absorbèrent la foudre. Elles étaient conçues pour résister aux orages. Mais c'est pas possible, ça. Et pourtant, nous n'en étions qu'au début. Merde. Il y avait des trucs, j'ai pas réussi à les récupérer. Ayant ça, c'est survécu à sa plongée dans l'abîme du Tartare, Phénix ressortit victorieux. Pour l'instant. Où est passé l'étranger que je poursuivais? Grâce aux ailes, il pouvait traverser l'ancien pont et le découvrir. À sa place, je ne mettrais pas ce genre de truc. Va savoir où ça a pu traîner, ça. Bien des soirs, Phénix avait conté les récits d'un génie, un inventeur nommé Dédale et de ses ailes extraordinaires. Peut-être que quelqu'un les a recréées, se dit-il. Super! Ah mais... peut-être qu'elles sont maudites. D'accord, donc donc on a vu à peu près le... Bah on a vu les premiers donjons, donc on... Enfin le premier donjon. C'est apparemment ce que j'ai compris, ce serait comme ça. Ce serait toujours à base de donjons comme ça. Hop. Je reprends des grenades.
Ah. Maintenant que j'ai les ailes, je peux sprinter. Ça c'est cool. Je sais pas pourquoi à chaque fois qu'il les tape, ça les envoie dans le ciel, mais bon. C'est leur délire. Hein. Ah oui, donc si t'as pas les ailes, tu peux pas venir ici. C'est des champignons bleus. Bon, je sais pas à quoi ça sert, mais... On verra plus tard. Je viens à ton secours! Tiens bon! Si seulement Ligiron était là. C'est lui le héros célèbre, pas moi! Qu'est-ce que je vais faire? Endormir les créatures du Tartare en leur racontant une histoire? J'aurais peut-être dû courir en fait. Qu'est-ce que ça me donne ? Une pièce de charron. Une pièce étrange, portant la marque de Caron. Typhon les a volés aussi ? Caron économisait pour construire un pont. C'est cool ça.
Alors, où il est, lui? Une gorgone? Elles existent? Quelle est cette lueur? Peut-être qu'en approchant discrètement... D'accord. Ouais, donc ils ont tout pris d'Assassin's Creed en fait. Ces brassards, je les ai déjà vus en dessin. C'est impossible. Et pourtant, Héraclès, le plus puissant des mortels, le tueur de bêtes, a défié Héra et réalisé l'impossible en portant ces brassards. Dorénavant, ils appartenaient à Phénix. On appelle ça de la chance. Arrêtez ! Là, par ici! Affrontez plutôt quelqu'un qui est armé! Ainsi, Phénix, après avoir triomphé de la Gorgone qui avait attaqué Héraclès... Qu'est-ce que tu fais, là? Cette chose? Avec ta voix. Héraclès? Oui, c'est quoi ça? Ben oui, c'est comme ça que ça se prononce. Ça a l'air épuisant. Un coup à s'esquinter la santé. Sauf que je suis immortel. Ça va, pas la peine de le rappeler. Par les dieux, j'ai l'impression de pouvoir soulever une montagne. Si seulement ces brassards pouvaient déplacer celle-ci. Non mais vous voulez pas vous embrasser non plus. Où est-ce qu'il y aurait une autre statue? Nouvel équipement, la crinière de trou. Non, non, non. Fais pas ça, fais pas... Fais chier. C'est pas start. C'est select. Inventeur. L'épée, ouais. La hache, ouais. Les ailes, ouais.
Les casques. D'accord, ça s'est fermé, ça s'est fermé, ça s'est fermé, ça s'est... D'accord. Là. C'est des aptitudes. Ok, tout ça déverrouillé. Là aussi, les pouvoirs divins, d'accord. Et la carte, ok. Super. 250. Ah oui, il est là-bas. Bon, bah, il est là-bas. D'accord, il y a des trucs. Il y a des trucs bizarres, il y a des trucs cachés un peu partout. Bon, après, c'est les trucs quand tu fouilles un peu tout ça. D'accord. Bon, apparemment, faudra revenir. Alors. Eh ben, on reviendra. La suite se trouve par là. Oh, l'attaque surprise, comment c'est bon ça. On reviendra plus tard. Ah oui, là il y a des cailloux et tout, donc c'est cool. Reste appuyé. Tout a été détruit ici. Ah, c'est là-bas. Faut me dire ces choses-là. La barre elle descend vite hein. Ah,
j'ai du lag sur mon retour, c'est chiant. Je revérifie hein, si ça s'est bien mis, mais... Ah, c'est bon. Alors. J'ai mis élevé, on verra bien. Le mec, il est où? Il est où le gars? Il est là dans un arbre, non? Non? Ah, arrête de faire ça. Il est où lui? Enfin, où est ma mission? Ça doit être ici, mais ça doit être en dessous. D'accord, ça faut pas le faire. J'arrive! Comment je vais entrer? D'accord, donc il est dedans. Quelque chose là-bas. Bah vous savez quoi? Ah bah là il y a un caillou. On va aller chercher un caillou. Et là j'ai fait la pire connerie de ma vie. Parce que maintenant ça veut dire que je dois aller chercher les cailloux là-haut. Ah là là. C'est tout moi. Ah.
Et il y en avait une là. Mais bon. Tomber là-dedans. Je vais te sauver, je te le promets. Je ne sais pas ce que j'ai ramassé. Mais... un cristaux. Bon alors, il y a quand même une chose qui m'échappe. Au lieu d'aller consulter l'oracle au temple d'Apollon, Phénix a préféré suivre cet étranger là. Phénix, qui a bon cœur, a souhaité venir en aide au mystérieux étranger, mais n'a jamais perdu de vue le fait qu'il approchait du temple d'Apollon et d'une solution permettant de lever la malédiction pesant sur son frère et ses compagnons d'armes. Ah oui, rappelle-moi d'effacer mes défauts par une formule. Zeus, qui a bon cœur, a tué sa première épouse en l'amenant à se transformer en mouche avant de l'avaler. Quoi ? C'est ce qui est arrivé à Métis. Je la croyais chez sa sœur à Babylone. Oups. D'accord, il y a des caisses qu'on peut seulement... D'accord. On apprend des choses, c'est cool. Ça c'est pour sauvegarde. Ouais, c'est les premiers pour l'instant, c'est facile. La marque du tac, Ulysse. Un arc maintenant. Montre-toi!
veux bien, mais qu'est-ce que tu veux que je tire sur ça? Deux des cibles paraissaient assez faciles à atteindre, mais la troisième exigeait la concentration d'un grand archer. Non, mais oublie. Aujourd'hui, les gens savent plus concentrer. C'est le déficit de l'attention, l'hyperactivité, tout ça. Tout cela de la bouche du dieu qui considère une amourette d'une semaine comme une relation de longue durée. Flash d'Apollon. Ah oui. Attends. Je veux bien, mais flash d'Apollon, maintenir RB. Je change. Option gameplay. C'est où j'avais vu ça? C'est dans commande? Flèche d'Apollon. Appuyez. Ah d'accord, c'est comme ça. Garde la main ferme. D'accord. Et tu survivras peut-être, mon petit. Je préfère juste appuyer, donc c'est cool. Ça va, ça se passe bien. On a toujours pas trouvé le bonhomme. Merde, j'ai vu trop tard. Yes, je l'ai eu. Doté de l'agilité d'Achille, de la vitesse d'Atalante, de l'esprit d'Ulysse et de la force d'Héraclès, Phénix était prêt à affronter tout ce que lui réservait l'avenir. Quoi? C'est tout ce qu'il a pour lui? Ah bah, bon courage. De l'oracle. Le désir de sauver son frère et ses camarades cuirassait la détermination de Phénix. Répugnante facilité. Ah.
meurt, vile créature. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Et ben. J'ai pas vu ce que c'était, mais tant pis. Phénix vit que les sbires de Typhon avaient cerné l'étranger, ne lui laissant aucune issue. Le combat s'annonçait difficile. Ah, j'espère que l'étranger va mourir. C'est fini! Tu peux sortir! Non, merci! Je suis bien où je suis! Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Si j'avais voulu te faire du mal, il y a longtemps que je me serais occupé de toi. Très juste. Alors, dans ce cas... Phénix. Original comme nom. Merci pour ton aide, Phénix. Joli bracelet. Merci! Je vais au temple d'Apollon, rencontrer l'oracle. Moi aussi. C'est par là. Formidable. J'ai besoin de toute l'aide possible. Nous pourrions y aller ensemble. Hey, et tu t'es fait où es-tu passé? Mes brassards! Oh, le sale voleur! Je t'ai sauvé, je te signale! Ah, ça, c'est pas cool. Je sais ce que tu ressens, mon petit. On fait tout ce qu'on peut pour eux, et ils nous trahissent. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui a eu l'idée de cette entrée? Un comique? Un acrobate? Un magicien? Je ne sais pas. Les mortels sont pleins de surprises. Je comprends pas quand j'appuie dessus, il disparaît lui là-bas. Attends. D'accord, donc il faut que je le flamme. Ok. Bah. Oui, c'est faisable. Hein. Et quand je. Hop! Ah d'accord, oui, il se débloque. Et bon, on va faire une flamme d'Apollo, voilà. Ouais, j'ai pas mes bras, je peux pas le mettre. Approche. Viens dans la lumière. Les mystères que j'ai à offrir sont aussi infinis que le nombre de grains de sable qui parcourent le sol de ce monde. Quelle est ta question? Oh, sage oracle,
Comment puis-je lever la malédiction qui a transformé tout le monde en statue? Oh, ça c'est... C'est une vraie question. Je n'en sais rien. C'est un mystère. Dans ce cas, comment puis-je reprendre les brassards qu'on m'a volés? Oh, c'est un autre mystère. Oui, c'est bien pour ça que je suis venu te voir, toi, l'oracle. Oui, oui. Eh bien, à ce propos, je ne suis qu'un prêtre. L'oracle a fini en statue. Mais ces fumées, c'est... quelque chose. Tu crois qu'on appelle le sable sable parce qu'il n'est ni sale ni stable? As-tu vu un petit homme aux cheveux dorés? Non? Je veux y aller. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Deux fois le verbe aller dans la même phrase, et pourtant, tu es toujours là! Mon frère a été pétrifié et je ne peux rien pour lui. La personne que j'ai essayé d'aider m'a volé. Et toi, tu n'es bon qu'à rire. Oh, tout ça est vrai. Tu es un oracle. Oh, oh, en partant, si tu pouvais me trouver quelque chose, je meurs de faim. Le père de ta lignée n'est pas le père des tiens. Un mont orné et sain de boucles mène au gain. Le monstre avance, affamé d'immortels défauts. L'âme héroïque les a tous arrachés au fléau. Lance l'assaut aidé du messager ailé et sans tarder, remétamorphose-les. Perles en eau agitée, feu de forge rallumé, enfant persuadé, esprit léger, aîné de Tétis, père renversé, âme héroïque élevée, il est temps pour toi de rentrer. Waouh, ça, c'est de la prophétie. Quoi donc? En fait de prophétie, je viens simplement de répéter que j'ai très faim. D'ailleurs, si tu peux me rapporter des olives... Hé, hey, arrête, voleur! Tu peux récupérer les brassards. Là où tu vas, tu en auras besoin. Viens avec moi. Non! Écoute, je regrette de t'avoir volé. C'est ma nature, et je suis conscient du problème. Alors, ça te va? Non, ça me va pas du tout. J'avais besoin d'une offrande pour l'oracle. Je t'ai cru sans importance, et je n'aimais pas ta tête. Mais c'est derrière nous, maintenant. Il faut qu'on parte. Tu n'aimais pas ma tête? Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il sera bientôt là. Qui? J'ai quelque chose qui te permettra de rejoindre la Grande Terre. Où ai-je mis ces ailes? Celle-là? Qui vole l'autre, maintenant? Et ne sois pas si triomphant, tu ne peux pas encore t'envoler. Il te manque quelque chose. Comment ça, m'envoler? Concentre-toi. Il nous faut ensuite une jarre qui fut dérobée à Éole. C'est là-dedans? Je vais commencer les préparatifs. Retrouve-moi au sommet de l'observatoire, avec la jarre. Je ne comprends pas. Tu es en grand danger. Aide-moi à t'aider. D'accord. Mais, à propos de ce que tu as dit... Et tu n'es plus là! Bon, reste maintenant à trouver comment franchir cet obstacle. Avant de continuer, je voulais regarder un truc dans la chambre de l'oracle. C'est quoi ça?
croyais que je pouvais allumer ça. Ça n'a pas l'air d'être une torche en fait. Bon, bref. On va pousser le truc et on va foncer dans la forge. Le chemin labyrinthique qui s'étendait devant Phénix était intimidant, mais la lueur des étoiles lui montrait la voie. Sûrement là, les livraisons que j'attends encore. Ça va, les énigmes sont pas trop dures en fait. Vu que le jeu, je pense que c'est... Je suis pas vraiment la tranche d'âge, mais... Ça l'empêche pas, quoi. Ça n'empêche pas d'être très bien. Faut pas jeter. Yeah.
dois sûrement l'emmener quelque part. Ah bah oui, ici. Ouais, là c'est le début, après ça va devenir de plus en plus dur. Avec de vraies énigmes. Des petits casse-têtes, pas des trucs trop énormes, mais c'est des lumières du genre ouais, là j'ai une boule, c'est cool, c'est cool. Excusez-moi. Tandis qu'il traversait les enfers, Phénix songea à ses parents. Était-il à l'abri à Argos? Avaient-ils, eux aussi, été transformés? Il ne pouvait s'empêcher de... Allez, un monstre maintenant! Il est énorme! Mais Phénix rit aux éclats. Viens voir papa, espèce... Non! Bon, comme ça, tu veux t'amuser. C'est trop mimi! L'adorable monstre était joueur comme un chat, incarnant tout ce dont il avait rêvé pour chasser ses idées noires. Il était un doux présent de l'Olympe, qu'il chérirait à jamais du fond de son cœur vulnérable, qui alors n'aurait cesse de grandir. D'accord, tu as gagné. Mais si je vomis, c'est de ta faute. Désormais prêt, Phénix affronta le monstre, qui soudain attaqua. Ah oui, c'est ça. Allez, viens. Ça va, il est pas compliqué, le boss. Caillou, un petit caillou. J'y suis presque, mon petit. Nous avons tant de choses à nous dire. Qui ou quoi que ce soit, tu ne me fais pas peur. Ça, je peux le prendre, ça? Non, je peux pas le prendre. Je suis à fond. Ha!
Hop. 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 On va se reposer un peu. Et hop. Et voilà, la jarre des halls. Un instant. Quand le voleur a dit que c'était la jarre des halls, j'ai cru que le dieu des vents serait dessus, pas à l'intérieur. Cette petite chose ne peut pas renfermer le vent. C'est impossible. Bon, pour l'instant on n'a pas trop besoin de remettre de l'énergie et de la vie, mais bon c'est le début, on est encore dans le didacticiel là. Votre bouton. En regardant le sommet de la tour de l'observatoire, Phoenix pouvait voir le planétarium. Voir le planète quoi ? Ça représente l'orbite des planètes et... Tu sais quoi ? Laisse tomber. Ce mur est abîmé. Je me demande s'il existe un moyen de le franchir. Qu'est-ce donc que ça? Une boule? Merde. Avant
avant de la prendre et l'emmener je ne sais où. Et qu'est-ce que c'est que cette boule ? Excusez-moi, hein, je suis un peu, je me perds un peu, mais je voudrais savoir à quoi elle sert en fait. Je vais regarder là, mais là il y a. Tandis qu'il poursuivait son périple. Ah d'accord. Phoenix se demanda si son histoire serait un jour contée dans le grand livre des étoiles. Hermès dit que les étoiles racontent des histoires, mais moi je comprends pas. Peut-être que je sais pas lire. Ce qui franchement ne m'étonnerait pas. D'accord, il faut que je ramène. D'accord. Il faut ramener tout plein de boules. Pour déverrouiller quelque chose. On dirait que je vais devoir résoudre ça pour me procurer le morceau d'aile manquant. On ne résout pas les étoiles, ce sont les étoiles qui nous résolvent. Du moins, c'est ce que m'a dit un jour Elisabeth, une astrologue. Ah, d'accord. Je lui fais entièrement confiance. Une confiance aveugle. Pourtant, elle t'a volé ? Oui, elle m'a tout pris. Mais je l'ai transformée en baie de Genièvre. Alors au final, je m'y retrouve. D'accord. Une, deux, trois. Il m'en faut encore trois. Y aurait-il ? Oui, monsieur, un morceau de caillou. Ah non, j'avais pas besoin de ça en fait. J'ai mal vu. C'est ma faute. Mais je sais que j'aurais besoin du caillou, donc c'est pas. Non, ça c'est une esquive, monsieur. C'est pas dérangeant. Là-haut, il y en a une. Là, il y en a une. Ah non, c'en est pas une. Alors, d'accord. Ah.
d'accord. J'ai cette solution là. Ou comme ça. Et la dernière qui se trouve sûrement là-haut. Enfin, je dis ça, mais... On n'a pas l'air. Hein. Juste péter le mur, mais... Allez, on est parti. Regarde vite fait si j'ai rien oublié, je ne pense pas. Attendez, il y a un caillou là. J'ai l'autre caillou. Je vais peut-être le prendre, péter le mur et redescendre avec. Mais non, je suis... Ok. Je vais le poser là, je reviens. J'ai cassé un mur déjà avec un rocher. Je sais plus si le rocher l'est cassé ou... Là, c'est là que j'avais cassé un mur. Ben voilà, il y a un rocher ici. Euh...
pas compliqué en fait, hein. Et heureusement, quand on déplace des cailloux, ça n'utilise pas de énergie bleue. Là. L'équipement. Heureusement j'ai appuyé long. Voilà. Alors, équipement. Ça, 150% plus 150% de dégâts à ennemi indemne. 40% de dégâts pendant 6 secondes lors de l'étourdissement d'un ennemi. .50% de dégâts à un ennemi indemne. On va garder ça. Mais je comprends pas son délire de ennemi indemne. Mais bref. Alors, qu'est-ce à dire que ceci? Ah oui, c'est pour reprendre les cailloux, d'accord. Bon bah alors on va monter hein, puisque j'ai pas l'impression que la dernière bille est en haut. Si c'est pas ça, bah je ne sais pas. Si c'est pas ça, on vérifiera. Hein. Je vais vérifier si on pouvait esquiver, mais avec le truc. Qu'est-ce qui s'allume quand je marche dessus? Ça s'est allumé. La porte là, elle est fermée. J'ai l'impression que ça marche pas, mais on va essayer. Mais normalement ça marche pas. Ouais. C'est bien ce que je me disais, ça marche pas. Bon, en tout cas, je verrai ça plus tard, c'est pour un coffre.
Ouais, non. Bon, bref. Nouvel équipement. Plus 1 au fragment d'énergie. Attends, moi aussi j'ai quoi? Plus 1 au fragment de santé. 1 fragment d'énergie. Bah non, un fragment de santé. Vous pouvez de la santé, moi. Ah oui, mais... Faut qu'il soit débloqué. Comment on peut le débloquer ? Je ne vois pas où pourrait être la dernière bille. Là, il y avait pas de... enfin, là, il y avait qu'une bille. Il y avait une porte, mais on pouvait pas y accéder. Ah bah elle est... Mais elle est là, la bille. Que suis-je bête? D'accord. Alors, pour ceux, pour tous ceux qui avaient vu... je suis désolé. Je n'avais point vu. Mais c'est pas grave. C'est que le début du jeu. Bienvenue sur l'île d'or. En souvenir de mon plus grand succès,
et de mon plus grand échec. Puissent les dieux accepter mon offrande, et puissais-je te revoir, Icar. Ce sont les ailes du grand Dédale. C'est sûrement lui qui a dû bâtir tout ceci, tous ces temples. Je n'ose pas imaginer ce que représente la perte d'un fils dans de telles circonstances. J'ai récupéré le morceau d'aile et rapporté la jarre d'éole du Tartare. Reste à retrouver cet étranger au sommet de l'observatoire. Quoi? C'est pas moi qui ai tué Icar. Dédale a mal fabriqué ses ailes. Et où est Dédale en ce moment? Voilà. Le silence. Je suis sûr que Phénix le découvrira. Enfin, on verra. Le truc qui me choque, c'est que quand on monte comme ça, je peux pas appuyer sur le bouton sauter pour sauter. Ah bah il est là-bas. Je croyais que tu avais dit que tu préparais quelque chose. Oui, je me préparais à ton retour. Tu as les ailes? Oui. Voilà. Pas vraiment comme neuf, mais bon. On fera avec. Tu as la jarre, n'est-ce pas? Prépare-toi à l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est que ça? Espèce de maudit voleur! Tu as vraiment cru pouvoir m'échapper? Tu as volé un objet à cette chose? Je te l'ai dit, j'ai un problème! Minable garçon de course! Tu n'es pas digne de la couronne qu'on t'a offerte! Nous allons t'avoir, Typhon! Comme l'autre fois! Nous? Il n'y a plus de nous. C'est terminé. Phénix, maintenant! Déploie tes ailes! Je ne peux pas! Là, je te tiens. Intéressant. Bon, il faut qu'on se mette à l'abri et vite. Mais c'était quoi ce monstre? Typhon. Comment? Le Typhon? Oh, tu l'as dit, mon joli. Il faut qu'on rejoigne la halle des dieux. Là, nous pourrons parler. Prêt à prendre l'air? Ce sont les ailes de Dédale, le célèbre Dédale. Le grand inventeur. Et alors? Alors, elles n'ont pas fonctionné et... son fils est mort. Mais avec toi, ça ira. Ne t'approche pas trop d'Hélios. Et évite d'aller te soulager s'il y a des turbulences. Tu devrais pouvoir arriver à destination sans t'écraser. Enfin... normalement. D'abord tu me voles, et maintenant tu me sauves. Pourquoi? Je n'ai pas saisi la totalité de ce qu'a dit l'oracle, mais si la prophétie est vraie, âme héroïque élevée, tu es le seul à pouvoir empêcher Typhon de transfigurer le monde. On ne sait même pas si ça me concernait. Toi qui cherches toujours à aider tout le monde, tu devrais accepter les coups de main qui se présentent. De quoi est-ce que tu parles? Parlez-moi! Comment veux-tu que le messager ailé apporte son aide si tu ne me laisses pas faire? Avec l'aide du messager ailé. Attends, le messager ailé? C'est pas vrai! Tu es... Hermès, j'aime énoncer des demi-vérités, jouer des tours et courir tout nu sur la plage. Bon, on peut y aller? Les autres dieux ont besoin de nous. Les autres dieux? Tu veux dire que toutes ces histoires sont vraies? Tu fais une drôle de tête. Ta mâchoire recommence à pendouiller. Vole jusqu'à l'île d'Or, retrouve-moi à la halle des dieux. Je t'y attendrai. Sur ce, Hermès disparut. Au-delà de l'étroite bande marine, Phénix observa les monts et les vallées de l'île d'Or.
au loin. Le long chemin conduisant à sa destinée s'étendait devant lui. Quoi ? Ce n'était que le prologue, ça ? C'est pas possible ! Comment une histoire peut-elle être aussi longue à commencer ? Ulysse a mis moins de temps à rentrer chez lui. Il s'apprête à sauter. Tais-toi et écoute. Bon, bah... faut aller là-bas, donc faut sauter. Ah oui, d'accord, je m'étais gouré de boutons, moi, carrément. Je suis... D'accord, première mort. D'accord, j'appuie sur B pour planer. Ouais. Ok. D'accord, bah, c'est un peu comme nouvelle arme. 30% de dégâts avec combo à la hache lorsque la santé est complète. 40% de dégâts pendant 6 secondes pour parade parfaite. Ok, ouais. Ouais, j'allais dire, ouais, c'est un peu comme dans Genshin Impact, en fait, il y a des trucs où des monstres protègent des coffres. Soudain, la forme majestueuse d'un cheval sauvage attira le regard de Phénix. Pour apprivoiser cette bête splendide, le mortel devait d'abord devenir son ami. Pourquoi est-ce que tu chuchotes ? Parce que je n'ai pas envie de lui faire peur. Mais tu consommes quoi, toi ? Je peux en avoir ? Quel cheval ? C'est pas un cheval, ça ? Je sais même pas si je peux le tuer. Enfin, j'ai pas essayé de le tuer, mais... Par contre, comparé à...
J'allais dire, comparé à Assassin's Creed Odyssey, c'est vide, mais non, en fait, c'est... Enfin, il n'y a pas beaucoup de personnes, mais en fait, ouais. J'ai déjà rencontré des coins où il n'y avait personne, quoi. C'est cool, ça. C'est des ours. Ouais, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Bon, par contre, ça, je sais pas c'est quoi, mais... ça c'est dangereux. Ah, je suis mort. J'aurais dû me remettre de l'énergie. D'accord. Donc, c'était ma première mort. C'était juste pour... Enfin, non. Je vais pas mentir en disant que c'était juste pour vérifier. Faut choper le bon timing en fait pour les esquiver. Reste pas longtemps Il reste pas longtemps KO.
c'était où que je devais aller? Ah bah je suis con, c'est là. J'avais oublié le bouton pour sprint. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Pourquoi j'ai sauté? J'aurais pas dû faire ça, j'ai fait n'importe quoi. Et j'aime pas la hache. Et c'est chiant, apparemment, il va falloir beaucoup jouer à la hache. Alors que c'est un des gameplays que j'aime pas, quoi. Yeah.
paraît qu'il peut respirer sous l'eau ici. Il est parti où? Bon, on dirait qu'il est parti. Qu'on a vraiment une chance contre un typhon. Qui est de mon avis? Non? Personne? Apparemment, faut que je remonte tout en haut. Eh ben, allons-y. Alors. La vue de la grande halle laissa Phénix sans voix. C'est incroyable. Donc c'était pas sans voix. Puisqu'il a... Tout va bien. Même s'il faudrait redécorer. Le motif de Solane est un petit peu daté. Alors, on est en sécurité ici. Tu te souviens, j'ai volé quelque chose à Typhon. Un petit morceau de son œil afin de cacher cet endroit à son redoutable regard. Je t'en prie. Tu as dit que c'était la halle des dieux. Alors, où sont les autres? Laisse-moi commencer par le commencement. La main posée sur l'épaule de Phénix, Hermès lui conta l'histoire de Typhon, le destructeur des dieux. Typhon, né de Gaïa, était une bête cruelle et terrible. Il s'était juré de libérer les titans et d'éliminer les dieux. Il défia Zeus, l'enjeu étant le règne sur le cosmos. Par chance, Typhon fut vaincu. Ah ben ça, je veux, ouais. Et il fut enfermé sous une montagne, où il ne pouvait plus nuire à quiconque. Il faut que je retrouve la forme que j'avais à l'époque. Durant des millénaires, Typhon ne cessa de ruminer, jusqu'à ce qu'Hélios soit éclipsé et que des étoiles incandescentes tombent des cieux. Ces étoiles firent fondre les chaînes de Typhon, et, dans une explosion de feu et de fumée, il surgit dessous la montagne. Les dieux l'avaient humilié et supplicié. Plus jamais ! Jura-t-il. Ce monde sera purifié, et les dieux seront châtiés. Dès lors,
Typhon chercha à se venger. Détruisez le voile qui sépare cette terre sacrée des enfers. Que les dieux aient à connaître le Tartare. Piétinez, dévorez et réduisez en poussière ces faux dieux. Approchez Olympia, prenez vos armes et venez m'affronter. Vous avez sous-estimé ma puissance et vous vous êtes vautré dans l'orgueil. Succombez à mon infinie perfection. Certains dieux prirent la fuite. D'autres restèrent pour combattre. Beaucoup furent capturés. Typhon les disloqua, les priva de leur précieuse essence et les transforma irrévocablement. C'est alors que, désespérant de pouvoir sauver leur domaine, les dieux firent appel aux héros d'antan. Les derniers guerriers à posséder du sang divin. Faible et égoïste, vos héros ne seront plus que les ombres d'eux-mêmes. Ils me serviront à jamais. Les dieux avaient échoué, les héros aussi. Mais alors que tout espoir semblait perdu, oui, il y eut beaucoup de combats et de défaites. Et tu es notre dernier espoir de rendre à ces terres leur gloire passée et à sauver le monde du chaos. Nous n'avons plus que toi, Phoenix, mais aucune pression. Je ne sais plus trop qui est qui. Celui avec les cheveux en pointe, c'est Typhon ou c'est toi ? Peu importe, il faut rendre aux dieux vaincus leur essence afin qu'ils recouvrent leur pouvoir. Ensuite, ensemble, vous devrez vaincre Typhon. Franchement, ça fait beaucoup. Si au moins mon frère était là. Écoute, petit, je ne suis pas parfait. Par Zeus, c'est moi qui ai accompagné Pandore sur Terre. Mais peut-être, je dis bien peut-être, que tu es le héros qu'il nous faut. Et puis, comme tous les autres ont été vaincus, nous n'avons vraiment plus que toi. Bonne chance! Moi, je vais rester ici à ne rien faire. Enfin, à préparer les préparatifs. Merci, si j'ose dire. Oh, tu fais encore cette tête. D'accord. Le mieux, pour commencer, et de rejoindre le sommet des autres statues de l'île d'Or afin de chercher la trace des dieux disparus. Trouve-les, et ils pourront probablement te dire où est leur essence. Quoique, ils ne sont plus vraiment eux-mêmes, alors je n'en suis pas si sûr. Qu'est-ce que tu veux dire ? À toi de le découvrir ! Réfléchis, Phoenix. Que ferait ton frère ? Joli chaudron ! Phoenix laissa le compliment s'éteindre dans le silence et s'efforça plutôt de se concentrer sur d'éventuelles recettes de potions. Voici quelques idées et moyens pour agacer Typhon. Et comme les mortels semblent avoir besoin d'encouragement, je te donnerai de l'électrum pour chaque tâche. Enfin, étant moi-même le dieu du commerce, tu pourras le dépenser ici pour, commercer. Ah, comme c'est malin. Mais tu peux aussi me payer avec ton propre électrum. Croyais que tout ça était fait pour m'encourager ? Je suis aussi le dieu des bénéfices. Eh ben, dis donc, ce n'est pas donné. Oui, bon, je suis le dieu des voleurs. On a tous nos petits défauts. Qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Une liste de corvées. Il faut que quelqu'un apprenne à Arès à nettoyer derrière lui. Tu as déjà essayé de nettoyer le sang après un bain de sang ? Ce n'est pas très facile. Si tu cherches à acheter quoi que ce soit, dis-le-moi.
que les dieux viennent se faire soigner les dents? Non, c'est ici qu'on s'arrache la peau pour changer d'apparence. Ah, c'est toujours mieux que le dentiste. D'accord. Je fais un peu le tour, hein, je crois, et puis apparemment, ça propose des trucs. Je n'en sais rien. Hadès a demandé qu'on lui livre. En déposant une offrande au passeur, une aide inattendue pourrait bien survenir. Mais sois prudent. Argo a brisé le dernier cadeau venu des enfers. Et regarde ce qui lui est arrivé. C'est qui, Argo? Telle est la question. C'est la forge des Phaistos! Comme il est mignon. Essaie de ne pas te blesser, surtout. Mais Phénix n'écoutait pas. Il était attiré vers la forge par une force inconnue, l'adamant qui l'avait recueilli, et qui désirait qu'on lui redonne forme. D'accord. Donc, alors, nous devons aller c'est où? Faut aller là où il y a des statues. Trop loin. Trop loin. Ça doit être par là. On avait vu une grande statue, en fait, un grand visage. On vient de là-bas. Ah ben, je vais regarder la carte. Faut monter tout en haut peut-être. Non, c'est pas ici qu'on peut. On peut pas synchroniser, je sais pas trop quoi. Je sais plus comment on avait fait.
bref. Alors, tout le monde ne suit pas notre guerre. Que peut-il y avoir en dessous, sinon les crocs d'une bête? Statue d'Aphrodite. Et on peut pas le faire, d'accord. Arès. Athéna. Héphaïstos. Et ben. On va vers ça. On va aller voir la statue d'Aphrodite. Mais n'aie pas peur. Désolé pour cette piètre qualité de combat, mais que voulez-vous? Alors, est-ce qu'il y aurait un caillou? Il n'y a pas de caillou. Ah d'accord. Faudrait que j'arrive à ouvrir. Y a pas de caillou qui traîne? Bon, tant pis. Allez, on y va.
Que vois-je? Ne serait-ce pas des cailloux? Ok. On va essayer avec ce caillou là, voilà. On va le mettre sur l'autre. Et puis, bon, on verra bien ce que ça fait. Ça tombe, ça va ouvrir le deuxième truc. On va pouvoir rentrer, après ouvrir l'autre, machin. Je ne sais pas, on verra bien. Je me gourde de boutons. Je voulais voler et j'ai juste fait un coup d'aile. Bam, des joyaux, des machins, nouvel équipement. On va regarder ce que c'est. 30% de dégâts au combo d'achèvement. Mais lui, il a son... C'est celui-là qu'il faut mettre. Je comprends pas. Je vois un petit truc qui brille là, jaune, mais je vois pas de quoi ça s'agit. Pour procéder à des améliorations, rendez-vous à la forge d'Héphaïstos. D'accord. Je peux forger. D'accord, donc ça va débloquer le reconstitution de 80% d'une fragment de santé lors d'une esquive parfaite. Ah, c'est cool ça. D'accord. Ok, on a ouvert, il n'y avait rien d'autre. Ah, d'accord.
Bon, je sais pas comment on ouvre. Mais je sais pas si vous voyez, en fait, il faut du genre tac. Et j'aurais ouvert. Et en fait, ça aurait fait tomber les cailloux qui sont là-haut. En fait, je l'ai fait dans... Regardez, ça aurait fait tomber ces cailloux-là. Je pense que vous aviez compris, mais moi, non. Apparemment, donc... Par contre, je sais pas comment on l'ouvre. Bon, allez. Assez... voilà. On a 600 mètres à faire. Pas le temps de niaiser. Je récupère des petits trucs comme ça. Oui, oui, j'avais dit que on irait, ouais. On se dépêcherait. Prendre une petite popo. Il l'a jeté sur son copain.
fait, sont pas trop compliqués. Hein. Faut juste être vif, attentif, et puis voilà. Hop, tu t'esquives au bon moment. Ah, j'ai un peu foiré, mais... Amélioration de capacité. Ouais, c'est pas. Mais le truc c'est que tu tues des mobs mais tu vois pas ce que tu récoltes en fait. T'as même pas d'XP ni rien. J'ai l'impression que t'es pas obligé en fait. Oh, il s'est tué la main. En fait, là en bas, il y a des monstres. Ils sont deux. Et si j'y vais, j'ai pas l'impression de. Ça me sert à quelque chose en fait. Si, peut-être parce qu'il protège un coffre. Et encore, j'ai l'impression que je les ai braillés. Enfin, je les ai braillés. Y a rien. Hein. Y a trois fleurs. Huh.
Là, ça fait pop un truc. Mais j'ai pas vu quoi. Oh non, j'avais esquivé. Obligé de recommencer ces monstres de merde. Putain, j'avais esquivé, mais je crois que j'avais plus de. J'avais plus d'endu. Thank you.
pas ça que je voulais faire. Oh non, mais c'est pas possible. Je le fais exprès. Désolé. N'importe quoi. Détruit. Oh.
Ah, je m'en doutais. Bah, tu montes. Super, vous voulez pas monter. Tout ça pour une piécette. Phénix admira les narcisses en fleurs. Dernier vestige de l'amour maudit d'un homme pour son image, reflété dans une source. Comment ça peut être une malédiction, ça? Tout le monde le fait. Là, d'ailleurs, je m'admire dans tes chaînes. Bravo le narcissisme. Ha!
Merde, c'est pas là. Attends. Il y a un truc qui va pas. Mais si, c'est là, j'avais raison. Quel bourricot. C'est juste histoire de... Enfin, en même temps, j'ai refait de la vie, mais... D'accord, donc les fruits, ça sert à faire de la vie. Allez, on monte. Oh. Phénix tomba sur une créature ailée, facile à confondre avec une fée. Mais sa véritable identité serait bientôt dévoilée. Lorsque Phénix libéra la petite créature enfermée sur l'île, celle-ci poussa un cri. Ce qui voulait dire « Grand héros, je suis un morceau de Nike, déesse de la victoire. Libère les autres afin que je puisse retrouver ma gloire. » Impossible de gagner sans Nike. Elle est comme un gant ou une chose qu'on porte pour courir. Un casque, voilà. Bon alors, c'est quoi? Pour le savoir, Phénix devait la libérer. D'accord, mais toi, tu peux me le dire, non? On peut respecter le rythme de mon histoire, oui. Quoi ça? Qu'est-ce que c'était? Éclair inattendu, ouais. Par contre, je pense que je dois aller au bout de son bras. Pour synchroniser ou je sais pas trop quoi, parce que là... Ah oui, c'est ça.
pour reconnaître. Ah, oh, la vallée de l'éternel printemps. Au nombre de ses merveilles, on y trouve un arbre qui grimpe jusqu'au ciel. La halle des dieux. Le palais d'Eros. Oh, je suis content qu'il ait enfin obtenu son extase. Et enfin, le palais appartenant à la grande déesse de la beauté. Ah ben voilà, comme par hasard, Aphrodite récolte le meilleur emplacement avec la meilleure vue. Bon, tant que personne ne peut la reluquer. De cette hauteur, la vue d'une myriade d'oiseaux picorant un magnifique pommier attira le regard de Phénix. Phénix est surtout aussi perché que je l'étais le jour où j'ai décidé de marier Aphrodite à Héphaïstos. Tout ça pour empêcher les autres dieux de se battre pour elle. Oui, la vue depuis le mont Olympe est sans pareil. Cela fait des années d'ailleurs que je n'en ai pas profité. Et je vais te dire une bonne chose, t'es pas prêt d'y retourner. Alors, arrête la pleurniche, tu veux ? D'accord, c'est... Oh putain, c'est Assassin's Creed, hein, putain. Y'a pas... C'est quoi la récompense d'un oiseau? On va faire ça, puis après on ira au... Bon, on va aller voir ça. On va aller voir l'oiseau parce qu'on l'a vu en premier. Et puis après on ira voir le pommier. Parce qu'apparemment c'est là-bas qu'il faut aller.
j'avais beaucoup de vie. Hein. Bah, il est où? Nul. Oh!
Là, il y a un truc qui se débloque. L'oiseau. Bonjour. Tu n'es pas très en forme. C'est un phénix. Trop orgueilleux, hein? Je comprends, on est pareil. Phénix, n'approche pas de cette chose! Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai vu la foudre tomber. Naturellement, je suis venu terminer le travail. Les coups de grâce, c'est aussi ma spécialité. Eh bien, ça ne m'étonne pas. Bon, je vais sauver cet oiseau et inutile d'essayer de m'en empêcher. Mais non! C'est une créature de typhon! Attends, j'ai une vision. Tu vas dire... Mais il a besoin de notre aide. Et je vais répondre. Phénix, il nous tuera à la première occasion. Ensuite, toi tu vas dire. Hermès, ne m'oblige pas à recourir au chantage. Je vais dire à Hera ce que tu as fait. Et alors moi, je vais répondre. Comment oses-tu? Mais comme je sais que tu le feras quand même, j'accepte de t'aider tout en restant à l'affût d'une occasion dès que tu baisseras la garde. Pour frapper. Bref, tu me tiens, petit. Pour l'instant. Mais comme Typhon a fait sortir cette chose du tartare, tu auras besoin de nourriture venant de là-bas pour la ranimer. Ce qu'Hadès a donné à Perséphone, des graines des morts. Et je n'en connais qu'une sur cette île. Donc je vais trouver cette graine. Assis, pas bouger. Moi ou l'oiseau? Parce que je doute que cette chose puisse s'asseoir. Trouver la graine. Bon bah disons que aider l'oiseau c'est plus long que prévu. Ah bordel! Il va être dans un coffre ou protégé par des monstres. Ou pas. Par contre, il y a des monstres. Et un peu bizarre même.
Petite gun pour un petit oiseau. Eh, hey, l'orgueilleux, j'ai la graine. Désolé, petit. Viens, on va aller manger des nuggets. C'est moi qui paye. Oh, bah c'est pratique finalement. On peut se les faire ici, les nuggets. Le phénix. Wouhou, tu es vivant. Salut à toi, l'orgueilleux. Plutôt prétentieux pour un oiseau qui se fait flamber par Typhon. Si votre excellence le permet. Je vais t'appeler Phosphore, en l'honneur de Phosphoros, l'astre du matin. Non. Phospho dit qu'il est encore faible et qu'il doit reprendre des forces. Il aimerait t'offrir son aide lors de tes aventures pour te remercier de l'avoir sauvé. Et il adore le surnom que je lui donne. Mais oui que tu adores, n'est-ce pas, Phospho? Je t'avais dit que c'était la bonne décision. Aider un oiseau maléfique mort-vivant? Oui, bien sûr. Bon, je retire ce que j'ai dit. Tu avais tout à fait raison. Ce superbe oiseau propose de nous conduire à la salle du trésor secret de Dédale. Vraiment? L'inventeur de génie qui a construit cette île? En personne. Il dit qu'il y a un tas d'électrum avec mon nom dessus. Ah oui, et il y a une autre graine des morts qui pourrait rendre notre ami Phospho plus fort que jamais. Ah, tu vois? Les bonnes actions engendrent à leur tour de bonnes actions. Qui l'aurait cru, finalement? C'est une question piège. Parce que la réponse est clairement personne. Bon, deux indices mènent à la salle du trésor que nous devons trouver. Et par nous, je veux dire toi. L'un est près des eaux de dragon, l'autre de l'aqueduc. N'est-ce pas, Phospho? Je l'avais dit, il adore son surnom. Trouver le trésor de Dédale. Eh ben, déjà qu'on trouve que ça ressemble fortement Assassin's Creed. Mais là, avec l'oiseau en plus. Ça y ressemble encore de plus en plus. Voilà, maintenant on a un aigle. On a Phosphore. Ça me gêne un peu que ce soit autant autant ressemblant à Assassin's Creed. C'est pas... pas innovant, c'est pas... Ah, je vais le faire parce que l'expérience est sympa, mais j'aurais peut-être dû me lancer dans
Godfall, le nouveau jeu qui vient de sortir. C'est où il va sortir? Ok, ok. Je sais pas s'il y a un level pour les monstres, mais clairement là faut pas y aller. Ah d'accord, c'était ça. Thank you.
Putain, je vais aller jusque là-bas. Excusez-moi si je dis rien, mais malheureusement c'est un peu plat. Thank you.
C'est un peu dommage qu'ils nous mettent une animation de truc. Ça sert à rien. Ça fait perdre du temps. Au pied de la grande statue se trouvait une enclume, un objet en soi vulgaire, mais qui pouvait donner naissance à la beauté. Et là se trouvaient les tenailles d'Héphaïstos, qui l'enfonçaient profondément dans les feux ardents et l'eau glacée. Enfoncés. Car ces créations exigeaient des températures extrêmes. Quoi ? Non mais c'était... C'est tout ce qu'il pouvait faire, parce que, enfin tu vois, franchement... Il lui suffit de le regarder. On peut pas dire que... C'est bon, tu as fini ? Oui. 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 C'est encore plus haut. Enfin, après une longue escalade, Phénix atteignit le gros marteau d'Héphaïstos. Oh, pardon, pardon, non, j'arrête, promis. La contrée de la forge. Ses nombreux ateliers. Ses sommets majestueux. Tu nous fais le guide touristique ou quoi ? Les créations de jadis, dévastées par l'inextinguible soif de destruction de Typhon. Oh. Quelqu'un a vécu, a travaillé, et apparemment a été heureux, ici. Certainement pas Héphaïstos, alors. Ce peureux qui chiale et se plaint tout le temps. Il n'a jamais souri de sa vie. As-tu jamais écouté un seul mot de son histoire ? Les choses ont changé. Bon, ben on va se laisser là pour aujourd'hui. Oh.
C'était une bonne découverte. Je vais continuer. Apparemment, enfin, il y a des levels, mais ça n'a pas l'air d'être. Le bonhomme n'a pas de level, donc. Je sais pas. Bref, je vous dis merci à tous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. On continuera la suite, même si ça me fait trop penser à du Assassin's Creed. Enfin, c'est carrément Assassin's Creed, mais du. Je dirais pas le Assassin's Creed du pauvre parce que il est très bien, mais voilà quoi. Mais je sais pas, non, je sais pas quoi dire en fait. Mais voilà. Donc, encore merci. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À ciao.